Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir deux nouveaux objets gratuits qui font partie de l'événement de Connect 23. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo et donc la continuons la vidéo. Alors d'abord, il faut juste rentrer dans le jeu de Connect 23 Hub et donc le lien je vais être dans la description. Et en fait, dès que vous êtes dans le jeu, on va tout d'abord commencer avec le t-shirt. Et donc pour avoir le t-shirt, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver tous les 7 lettres de Connect qu'il y a dans le jeu. Donc en fait, on va directement commencer. On va venir ici devant le lounge et on va avoir je vais prendre ça. Donc voilà, ensuite on va rentrer à l'intérieur. On va avoir le C si je me trompe pas. Ok, donc le voici, je vais aussi prendre ça. Voilà, et maintenant on va juste retourner et on va sortir d'ici. Et là en fait on va juste avancer comme ça. Vous allez voir qu'il y a le O sur le rocher. Donc on va aussi prendre ça. Donc voilà, maintenant on va aussi prendre le N qui va être devant le panneau. Donc je vais prendre ça. Et donc ensuite je vais juste venir là et on va avoir le C. Donc je vais aussi prendre ça. Et donc ensuite on va juste venir ici devant le bateau du mini-jeu Freeze Tag. On va avoir le N et on va devoir jouer au Freeze Tag pour avoir notre dernière lettre, le T. Donc voilà, on va quand même rentrer à l'intérieur et on va attendre jusqu'à que la partie de Freeze Tag commence. Et donc voilà, le mini-jeu va commencer et donc voilà, là on va juste partir. Et donc en fait là, dès qu'on est dans la map, on va juste venir là et dans le château de sable, on va avoir notre dernière lettre, donc ça va être le T. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le jeu lag autant aujourd'hui. Donc voilà, on a reçu notre t-shirt et on a reçu le badge, donc ça veut dire qu'on l'a bien reçu. Et donc en fait là pour les lunettes, il faut justement jouer le jeu, il faut le gagner et il faut gagner votre partie. Donc moi, comme je dois attraper les gens, il faut que je les attrape. Et en fait voilà, c'est comme ça qu'il faut juste faire tout simplement. Et voilà, il faut juste que je les gèle. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut que je joue au mini-jeu. Et voilà, je vais juste retourner à la fin du mini-jeu quand je vais gagner et je vais recevoir les lunettes. Donc voilà, du coup la partie s'est terminée et là j'espère que normalement je vais le recevoir puisqu'on a joué tout le monde dans le jeu. Comment ça je n'ai pas gagné? Ok, je vais réessayer. Cette fois-ci je vais être celui qui court. Donc je vais essayer de ne pas mourir. Je pense que je vais juste monter sur la phare. Et comme ça je vais juste rester là-bas tout en haut. Donc voilà, la partie s'est terminée. Mais par contre j'ai été gelé pendant toute la partie. Mais je sais pas comment j'ai reçu le badge. Donc ça veut dire qu'on a reçu les lunettes. Et en fait de ce que j'ai compris, c'est parce que il y avait l'un des personnes qui n'avait pas été gelé dans le jeu. Donc c'est comme ça que j'ai reçu le truc. Mais donc voilà, c'est comme ça que vous faites pour obtenir les deux objets. Et donc c'était tout ça pour aujourd'hui. Et donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et si vous l'avez aimé, alors n'oubliez pas de lâcher un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et d'ailleurs n'hésitez pas de vous rejoindre à mon serveur Discord qui sera dans les commentaires épinglés. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la prochaine.